avant tia moninga musapina lisu to mitala penza malamu to solo la bien comme l'avait dit notre jeune frère Ngiama je pense na loyembo na yemoko to avancé tende kwa limia puisque to koyi susu to za penza donc to komi na bas de l'échelle et na koloba mo moke na lopoto communauté nationale moko tendi makake soko avancé et lobaté soko pe rekilé et lobaté sinon te bozo kené na kufa donc ba congolais il est grand temps to komi contre mur ninga na lobaka contre mur parce que trop c'est trop to kiti mingi na se to kiti mingi parce que na 60 tango tozaka lipanda le Congo tozalaka au coude à coude na Afrique du Sud na Corée du Sud Séoul na lobité Pyongyang mais na lobi Corée du Sud Séoul tozaka au coude à coude c'est-à-dire en termes il y a PIB produit national brut tozaki baninga mais lelo zwa ba chiffre ya macroéconomie ya bamboka wana na ya biso Congo il y a pas photo. On n'a même pas 10 milliards, par exemple, on peut se faire un exemple chiffré. 10 milliards, il y a budget de l'État, c'est révoltant. C'est révoltant. Donc on a beaucoup régressé que Thomas Talikolo, Tozong plutôt nassé. Alors c'est. Alors que tu as vraiment un paramètre, nous sommes que ça la tibiso tous à la benda, en Afrique, surtout en Guélé, tous à la première moutou à train. Peut-être en concurrence en Afrique du Sud, mais en terme, il y a potentiel Benza, comment vous allez quand même ici quoi Zali le loté, et ça me dérange beaucoup. Indépendance, tcha tcha, tozoumiye, oki kwanza. Fidèle Tespatré, les amis de Wetchi International, votre émission Dernier Virage, Oyo Touta Labino. Merci en tout cas pour la Nyoso, pour la fidélité, Oyo Botchak en tout cas, na émission Oyo Dernier Virage, le Dernier Virage, pour la Mboka Nabisoto, le Baki. Cette année 2018, c'est allé vraiment année moko très décisive. Donc, Makambo est belé et Kouikouleka, na Mboka Nabisoto, et bien, tu toujours attentif pendant suivre l'évolution. Tout le Baki, Dernier Virage, et bien, année donc, il y a changement 2018. Et bien, comme Bino Boyebi, indépendance en Bokanabiso, Kalamingite, donc dans quelques jours, donc tu vas fêter 58e anniversaire. Donc il y a indépendance en Bokanabiso le 30 juin. Donc nous sommes aujourd'hui lundi, donc lundi le 25. Donc pratiquement dans 5 jours, 58e anniversaire, donc indépendance en Bokanabiso. Tu fêteras chaque année indépendance en Bokanabiso. Mais quel bilan autre que ça là, na 58e anniversaire. Oyo, est-ce qu'on a avancé? Est-ce que tu as marqué de sur place? Est-ce que tu as régressé? Eh bien, tu remets un peu quoi aborder dans cette émission d'Abisso Yalelo. Comme ça, moi, bilan donc à 58e anniversaire, il y a indépendance en Bokanabiso. C'est pour cela donc dans cette émission d'Abisso Yalelo. J'ai en tout cas le plaisir de recevoir pour vous Michel Luzolo. Michel Luzolo, un compatriote congolais. Azali, conseiller communal honoré donc il y a Parti Socialiste. C'est la commune Yajet, en Akata Bruxelles, Akata Belgique, Bana Bruxelles, Bayebi, Michel Luzolo, puis ça travaille également dans les mots associatifs depuis des années, et bien, vous allez également président en exercice, il y a l'association des Congolais résidents donc à l'étranger, ACRE, tout le monde peut comprendre en haut. Aujourd'hui, dans la quatrième émission, la vision de cette association, où ils allaient réunir en tout cas, les Congolais, Oyo, ils allaient vivre à l'étranger. Avec lui, tout quoi aborder en tout cas la question indépendance à Bokanabiso, comme ça, la bilan indépendance à Bokanabiso, comme un peu qu'on revenir sur les quatre présidents, Oyo, si c'est donc dans la fauteuil, on a la présidentielle à Bokanabiso, président Kassavoubou, président Mobutu, Laurent Désiré Kabila également, Oya Souka Oyo, Joseph Kabila, moi, bilan à Bango, na Moko Koyeba, et là, on est dans apporter. Na mboka na biso et puis tu comme un peu qu'on aborde également question d'actualité les libres élections ya mboka na biso boyebi cette année CENI est publié calendrier électoral selon le calendrier on a élections ils allaient prévu na fin de l'année donc précisément le 23 décembre 2018 tu comme un peu qu'on point de vue il y a Michel Luzolo est-ce que ils allaient vraiment qu'on croit na élections on a est-ce que alternative ni nango ils allaient pour na y solution ni ils allaient pour na
tobima la situation de la situation très 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 difficile. Il y a Mboka Nabiso. Mbote d'abord, Michel Zolo, plaisir de recevoir la mission. Mbote ndeko ali mia mongala, ngana benga kayo ali mia mokongo poto zali. Tata bo moko bisonyo soto zali bana famille moko, famille congolaise, donc mokongo mongala, moluba, moswahili, moteke. Je pense que tozali bisonyo so bana ekolo moko. Mbote pe na ba téléspectateurs ba ndeko balandi, ninga ba kolanda biso. Évidemment, ce que je veux dire, rappeler le président Mobutu. Est-ce que c'est une coïncidence ou tout simplement, on allait plus qu'on se reconnaître dans l'ancien président Mbonga Nabiso? Président Mobutu, ça m'étonne. Nzinga kou, vous pensez que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez papa José Mobutu, dit que vous avez dit que vous avez dit que papa José parce que moko ya ba papa nangai na force publique. A botama na 1930, papa nanga pa botama feu, papa nanga botama gipe na 1930. Basala ki force publique, c'est-à-dire koko ya armée nationale congolaise, koko ya FAS, koko ya FARDC lelo. Bazaki bongo na kati ya force publique. Azali bazali ba compagnon d'armes, donc lokola ba papa général Serafin Bosango que j'ai connu personnellement, Nkulufa na ba iba susu. Donc Azali moko ya ba papa nangai, je l'appelle papa José affectueusement, mais sur le plan politique à part affection nazala ngopo na ye à titre personnel privé, ça n'engage même pas le ça ne concerne même pas les Congolais. L'autre aspect c'est plus politique, c'est objectif et là en tant que scientifique j'ai un point de vue sur sa gestion de toutes les années. Il y a régime naïe. Effectivement, comme avant toi abordé tout à l'heure la gâte émission d'Abissalo, comme l'a dit en introduction, vous allez présent donc l'association des Congolais résidant à l'étranger. ACRE, président en exercice. Président en exercice, et pour ne pas dire président fondateur. Nazoki likanisi wana baninga mususu ndeko moko asakenda tiki biso ezali fe gérant zali azaka économiste tolobaki te internet nalobaki na baninga ngabi internet oleka kezala ka Facebook ezala kaka mta mususu mafinga na mona kana kati ya internet Facebook na ba réseaux sociaux tokoki ko réfléchir parce que ezali moyen moko ezali raccourci moko incroyable na siècle toali pour na ko sala échange d'idées concernant net mboka na biso sur le plan politique baninga balbaki losako longonya papa Luzolo idée on ozu malamu donc on a katia serré tous allés dans nos libois ya mboka na mboka pour des raisons aussi parfois sécuritaires personnelles na pesa ka bakumbote mais ba ali ba mususu baza na Canada ba ko yoka ngai ba mususu na États-Unis d'Amérique, bah, en Afrique, et en anglais. Donc, tout ça, c'est un échange. Ngai nazal ko la dépositer. Bango so ba sali to lancer sujet moko moto nyonso ko ko lancer sujet. Il y a réflexion sur kuna anglais, Congo. Par exemple, questions économiques. À lancer sujet et puis après biso nyonso to partager et puis nga la sali synthèse to kaboli PV. Ah, c'est bon, c'est pas bon. On continue même, on sait les agitaux parce qu'il y a l'association pluridisciplinaire. Nous avons la Sciences Po, l'économie, même la santé, la médecine. Il y a même un juriste, donc ils ont fait un panel, il y a réflexion sur beaucoup de disciplines, beaucoup de thématiques. Voilà. Ça c'est très bien, genre qu'il faut quand même qu'on partage toujours, hein, échanger ça les mains. Ça serait aussi intéressant, il y a comme rappel qu'on propose également là-bas au bazar membre de l'association, parce que là, on a découvert un peu Kalamingité, on se peut dans l'angoté, ma réflexion, la conclusion, pourquoi pas qu'on partage, on se peut découvrir. C'est ouvert, c'est assez ouvert, mais tout au Banda, il y a deux années pratiquement. Il y a beaucoup d'années. Oui, tu l'as dit en interne, parce que Zahir Lokola, Nenge Christo, Yemoka Yipsegi Bisso, Nenge Nazoral Bosso, disciple Bélé, a trié. À sali 12 apôtres naïe, à poni 12 venda parce qu'il faut une sélection. Et moi, je préside, j'ai pas envie, c'est pas de la dictature, mais j'ai pas envie que Mouta côté comme un être musique. Et ça, musique. Et Zali, bon, musique, ça m'a bête pour ma détente, Nabiso Banini, je n'ai rien contre, mais Nabi, que assez sa musique, et à la place, il y a réflexion. Espace, il y a réflexion, c'est-à-dire que, Makambo sérieux, Makambo y a Mboka, Makambo y a Afrika Yangele, Makambo y a Boumou y Nabiso, n'est tout traité à Kakuna, assez ré, mais il y a de la place pour tout le monde, il suffit, Moutassa, la candidature, Naye. CV, il faut que tu aies un diplômé universitaire. Non, 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 il y a une place.
J'ai même un ami musicien qui s'approche de nous, Albi Kenaza intéressé, bon, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, avant de tout dans la carte, il y a vraiment la profondeur à l'émission d'Abissou. Alors, regardez qu'on parlait un peu sur santé, parce que je crois qu'il y a quand même quelques années, on a vraiment un peu de santé, Makasi. On a un en forme aujourd'hui, puis là, on a un Makasi. Michel, on a eu depuis qu'il là, Michel. On a quand même osé répondre, mais quand même, on a un peu de santé, Makasi, Makasi. Est-ce que vous voulez bien moi par rapport à la santé? Ngai Nazali, chrétien, croyant. Je crois aux forces divines, aux forces de l'esprit. Nzamba sali mingi kati na ngai, j'aurai l'occasion de kati soko nzamba pesinga susu bon moi pema. D'ici la fin de l'année, nazo sala livre sur ma guérison miracle pour ce que nazaki ben. Guérison miracle. Guérison miracle puis c'est nazaki moweyi. Nasali médecine shop na ko ko kambola ba hôpital nyo sa et pas boye frère merci cardiologue ya makase ali donc na Kosalaki, AZVIB, Saint-Pierre, Brugman, Saint-Jean, Alost, même Balbikuna, Munga, Makasa, Zakuna, Saint-Luc, enfin. Bon, Nzamba, Tchaki, le Boko, médecin, c'est vrai, bah, soigner, Ngaï, mais mon toit, guérir, Ngaï, Zali, Kolo, Nzambé, Nzakumba, Pesa, Zwa, Lukumu, Lukumu, Nyo, Sezana, Ye, Makasi, Zaya, Ngaï, Telelo, Nazo, Solola, Nayon, de Kualimia, ça fait 3 ans, Zali, pour Ngaï, traverser, il y a désert, mais il y a un bon Dieu qui veille sur nous sur terre. Merci en tout cas, Nzambe à Sali, Nzambe vraiment à Sali. Michel Zolo, plaisir vraiment à vous retrouver. Lelo Awa est plutôt partagé. Na bato bazo la Nabiso. Moi, ma canisse, tout ça, Lelo Awa. Alors, tout le bien indépendance en Bourganabiso, c'est quand tu as mon anniversaire indépendance, le 30 juin, donc dans 5 jours. Toi, le 25 juin. Mais tout à l'heure, Awa, dans nos préparer l'émission, nous allons aller vraiment à la Kanda Yamakasi. Pour l'indépendance d'Abiso, c'est quand tu as mon anniversaire d'indépendance d'Abiso. Alors, quand on est Isaïe, comment vous expliquez d'abord Abiso? Parce que tout cela est d'ailleurs en parité avant ton émission. Colère aux Anglais, quand on est nous allons. Libosa a aussi ligabé mes na église à Betagi Bato, basaïque au sala commerce, donc basaïque au sala doctrine, moussousou, nakatia ndakouya, était tempelo ya tatanaye. Nazana Kanda, je vais m'expliquer d'abord sur le plan spirituel. Ngaina na tamuli likolo maite. Na tamuli likolo maina na tamula pété quand même. Wala nzambe gaga. Ekoya dans le sens que na, je crois j'ai la foi. Oui. Dans le sens que na pesanteur na poaning yo lobi, je suis dans les 90 kg 100 kg. Donc pesanteur et cela que tout qui t'a nacé, mais spirituellement encore il y a li que pour na tamula likolo ma il faut tamula en conformité na li loba ya nzambe ko banda Genèse tin Apocalypse. C'est ça la véritable explication ya Kamusiwana Yesu asalaki. Mais pourquoi na lobi bongo? Na lobi bongo parce que tout ça na va faiblesse humaine, tamu suto cela ka penza ninge longo banité. Ah ouais, mais moi je reviens sur terre pour tout ça na noa na mabele ya sewa et je reviens sur les terres du Congo. Nazana Kanda, c'est vrai parce que Nazana Kola Moko na Congo, Nazana Kutu Kulutu ya Congo. C'est-à-dire que je suis na Botami Liboso ya Congo, Congo za lokola leki nangai. Et donc, Tozokola, Nana Koli na Congo, ensemble. Avant na Bibana Mboka, une partie, moitié ya Bomo inangai, ezaki na Congo ba étude, Congo sali mingi po nangai. Nano na sali na bandi, mais nano na sali na mingi po na Congo te. Je pense que je vais m'investir na Oenga na Zaga Makasi, peut-être Koloba, peut-être Kokoma, na kosala moi contribution na moi tango wa moketi kali nzamba ko batela ngai po na Congo parce que Congo pesi ngai nyonso. Bon, donc na lobi na zaki na Kanda parce que Congo a commis na 58 ans lelo, azali leki na ngai Congo. Azalipe maman na biso mbala moko mère patrie, mais je pense que na 58 ans oyo nzamba pesa biso na Congo avant tout le baba richesse puisque badumingi bakomaka ka kotala Congo mais balingi ba congolais avant tout le baba makamu yankita. Je parle d'abord de l'homme congolais. Ils sont tous à génie. Ezala na musique, nous sommes les premiers en Afrique. Ezala ma sport, tango léopard, là qui Nkoi. Plusieurs fois champion d'Afrique. Ezala nini donc dans tous les domaines liolo, na art, bon na ba domaine peu scientifique. Tous la professeur Malou, tous la donc baïke. Baza na Congo, baza na ba génie, toza na ba génie. Donc sur le plan humain, nous sommes Nzambe Agata Kimbokawana. Sur le plan pays, il y a Nkita, richesse.
Donc, je ne vous apprends rien. Le Congo, Balobaga, c'est un scandale géologique. Dans toutes les... Il n'y a pas de province pauvre au Congo. Il n'y a pas de province pauvre au Congo. Faux et archi-faux. Dans le Congo, on découvre toujours et le Kwasika. Ah, pétrole n'a inongo. Ah, boy, coltan tatalite. Le temps où il y a coltan tatalite, tu ne connais pas. Mais le lot est déjà... Et allez, même exploitation à ciel ouvert. Donc, nous avons un peu de temps et moi, ce n'est pas par chauvinisme, mais je dis que le paradis sur terre, c'est le Congo. Alors, nous avons une contradiction, on est un peu de Congo est immensément riche, mais Congolais, c'est l'un des pays, l'un des peuples les plus pauvres au monde. Donc, tout ça parmi les dix premières populations pauvres, ça me révolte. Ça me révolte. Il y a un autre qui a 58 années. Le Bolsonaro, en 2010, il y a 50 ans, il y a une conférence. En 2010, 50 ans, il y a Congo, c'est du beau gâchis. Mais il y a un beau gâchis, mais quand c'est irresponsabilité, là, on a c'était une place. Et je pense que tout ça, une irresponsabilité collective. Tout le monde a train, il y a un PME, il y a un je pense, à tous les niveaux. Il y a Kibokondi, à tous les niveaux, même il y a des forces politiques, forces sociales, forces économiques, forces culturelles. Je pense que, avant, tout le monde a bien, comme l'avait dit notre jeune frère Ngiama, je pense, dans l'Oyem Bounaïmoko. Donc, en fait, sur le but, tout le monde a développé, tout a régressé complètement. Donc, c'est quand tu te dis, on n'a pas avancé. Donc, bien que tout le monde a barriché, tout le présenté, mais on n'avance pas. Mais le problème, c'est à niveau nul finalement. Tout avancé, tu es un limite, puisque tu es sous tout ça, donc tu es mis à bas de l'échelle. Et je suis dans le monde, dans le pot, la communauté nationale, Mokote Ndimarake, ce qui est avancé et le battre, ce qui est reculé et le battre, sinon tu es besoin de Koufa. Donc, le Congolais, il est grand temps, tu es mis contre-mur, contre-mur parce que trop c'est trop, tu es quitté Mingi Nassé. Tu es quitté Mingi parce que dans 60, tango tozakali panda le Congo tozalaka au coude à coude na Afrique du Sud na Corée du Sud Séoul na lobité Pyongyang mais na lobi Corée du Sud Séoul tozaka au coude à coude c'est-à-dire en termes il y a PIB produit national brut tozaki baninga mais lelo zwa ba chiffre ya macroéconomie ya bamboka wana na ya biso Congo il y a pas photo. On n'a même pas 10 milliards, par exemple, on peut se faire un exemple chiffré, 10 milliards, il y a budget de l'État, c'est révoltant. C'est révoltant. Donc on a beaucoup régressé que Thomas Talikolo, Tozong plutôt nassé. Alors c'est. Alors que tout ça vraiment dans les paramètres, c'est que tout ça, en Afrique, surtout en Angola, c'est la première moto à train. Peut-être en concurrence en Afrique du Sud, mais à terme, il y a potentiel. Et ça me dérange beaucoup. Effectivement, ça va déranger, ça va comprendre. Mais on a la responsabilité d'aller partager. Hein, c'est comme si nous sommes tous responsables. Est-ce que vous pensez que c'est un peu exagéré quelque part? Parce que quand même, Congo, bon, avant peut-être le bilan de la présidente, parce que c'est dans le bon abisso, mais la carte de responsabilité, on a innocent quand même. Parce qu'il y a quand même des gens qui dirigent qui dans le bon cas, mais quelque chose dans la vision de la bon quelque part. Bon, il y a ce cas, il y a un mingi, à l'objet, mon peuple périt, faute de connaissances. Et puis, il y a beaucoup de... La moisson est abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. D'abord, on a épinglé, on a raison. Mbisi, Bachinom, Mbisi, Bandara Kopolo, Namutu. Et donc, si la tête ne va pas, ça ne peut pas marcher. Donc, on a épinglé, d'abord, on a la responsabilité à tous les niveaux. Moutassala Gelanganae, na président de la République, on a un niveau de responsabilité de mon côté. Donc il y a président de la République et qui a un poids politique et qui a la pesanteur. Donc l'élite politique n'a épinglé parce que vraiment ils ont été à côté de la plaque. Donc élite politique Nabiso, donc je pense qu'il y a un travail à faire. Il faut tout former une élite politique nationaliste et nationale. Baka ni sakaka mabumu na bangote. Oye munene, c'est pas bon d'abord pour la santé. Bangonyo c'est pas yé munene. Mais ce n'est pas bon pour leur santé d'abord. Et puis c'est de l'égoïsme. Yo le malamu ole olingo li apaka sa mobimba. Muninga kote na yo wana. Aller na masina na kingasani. Azolu kwa nani mitu ya Thompson na nani. Moi j'étais à Kinshasa. Na famille, même dans ma famille,
passe mingi na mona ndeni nike kolia ya pambo yo makei, c'est une lutte quotidienne de tous les jours. Lobi bana ba kolia nini ba parents mingi ba yibite bana lobi ba kolia ndeni nini na sachene azo ke ni wapi koluka nini moi eloko ata dongo dongo bana balia. Donc je trouve que élite politique na biso en tout cas c'est proche de 0 sur 10. Banda, Lipanda, Tilelo, il y a des personnes exceptionnelles, mais je pense que globalement, pour toujours ça, l'analyse globale, d'abord avant tout, quand on a des détails, je pense que globalement, l'élite politique chez moi, c'est vraiment proche de 0, sinon je pense 2 sur 10. 2 sur 10. Mais, parce que tu parles d'indépendance en Bourg, en Abyssin, et ce sont des gens qui, quelque part, c'est pour ça que tu as préparé pour ton côté indépendance, parce que tu parles d'élite en Bourg, en Abyssin. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque où tu as eu l'indépendance en 1960, est-ce qu'on était vraiment prêt pour accéder à l'indépendance? Alors, je suis comme adepte du professeur Van Bilsen. Non, oui, dans question. Il y a le baguette. Il y a une autre 30 ans encore. C'est la responsabilité origine, parce que ma tête la biseau de l'eau. La cause endogène, exogène, tout le monde, c'est que nous avons vendu, basali na notre pays de raison. Parce que ils ont beaucoup de raisons. Moi, j'ai plus de 30 ans il y a Awa, donc ils ont beaucoup de bananes. J'aime aussi ces pays, mais je pense que nos copains ont une grosse part de responsabilité. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a un Congo qui a été concurrencé. Il y a pour des raisons purement économiques. Donc il fallait pas tout s'en abango bas à la charitable pour le but mercantile et donc bon ils ont fait ce qu'ils ont fait même ma beka kana ko reprocher tant aucun n'a pas pays francophone Côte d'Ivoire Sénégal aucun n'a pas pays anglophone Ghana. Déjà dans les années 20, na Ghana, il y avait des médecins, il y avait de juristes, il y avait plein de trucs. Papa Oufoué Boigny, il y a Côte d'Ivoire pour ne pas les citer, papa Caïman Azalaki déjà médecin. Otangi Bamsusu, docteur Kenneth David Kaunda na Zambia, Otangi Bamsusu, Léopold Sédar Senghor, un grand monsieur. Bon, Bazalaki déjà formé. Tango Bazuli pendant la 60 wana, le pays pouvait démarrer rapidement. Mais nous, en 60, qui était université? Bah, papa Nabiso Nyonso Balaki, Ngai Papa Nangasuka qui na 4 ans. D'études post-primaires, c'est-à-dire normal. Il n'y avait pas d'université. D'abord, l'Ovanium me banni dans 54 à peine. Donc, il y a eu beaucoup de retard. Comme les générations qui ont en 1885, Bazouaga Bissot, c'est la première université dans 54, IOC dans Lubumbashi, pas dans 56, qui s'engage, je ne sais pas en quelle année, mais bon, dans, toujours dans le Zingaz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 
Je prends toujours l'exemple de mon père qui fut un petit fonctionnaire après l'armée. J'avais un complexe avant la côté université que Sololana est français. Même une écriture naïe, il y avait une force de caractère comme ça, une belle écriture, bien alignée, français qui toque. Donc c'était un grand monsieur. Ngata musu nazali ko komela lettre 10 pages, mais il y a ko komela na page moko, pensée na ezali claire, pensée na ezali na confuse. Donc ils étaient bien formés. Et mwanda mwana to yagi nango hommage à papa Kanza qui était déjà universitaire à l'époque. Il y a Bomboko, il y a d'autres personnes aussi. Donc bakokaki ko kashamura ba ebele na mususu bakombo ekoya na okura emission na yo ba salaki bakokaki ko en tout cas ko tenir gouvernement national et puis après ko tindika 5-10 premières années ko asseoir ben institution parce que le gros problème to zana ngoya Congo ben carence y a ben institution depuis Lumumba kufaki il y a une instabilité aussi quelque part toujours indépendance puis instabilité côté. Non, instabilité, on a, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Quand ça vous avez épinglé ça, il y a une montée comme ça d'ambition. Moi, je vous le dis, Nazo Kanisa Congo, mais je ne suis pas candidat à la candidature. Alors que je suis aussi formé, je ne suis pas candidat, non. Et donc, si on a une élection à Bangouan, je pense qu'on va en parler aussi. Élection un peu bizarre au Bazolingosa là, avec des candidats bizarres. Et donc, je pense que Montona, si quoi Ali, si quoi Salah qui Benza Moussala convenablement, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de problèmes qu'on a eu. Et puis, Misusunini, ambition personnelle. Au raté na Léopoldville, Kozala Mokonzi. Je me proclame Moulopoué, je me proclame papa. Bon, bien sûr, nos copains, moi, et puis, papa n'a pas su bélé, sont tombés dans ces pièges-là. Donc, il y a au Kabolamboka. Donc, les cinq premières années, il y a la Première République, il fallait objectif, il y a quoi, soit régime parlementaire, régime démocratique. On a échoué, pourquoi? Parce que papa Kassavou avait partiellement échoué dans ça. Pourquoi? Parce que, pas si elle a qui mingi, beaucoup de variétés sécessionnistes. Kizengala, dont on parle, le patriarche à Oeboyebi, à Kenegi Nakisangani, il était président de la République populaire du Congo, avec l'aide de Tchèques, de Chinois et autres. Les lois Zongikuna, patriarche, paraît-il, bon, on va en parler aussi. Effectivement, voilà, ils ont permis de rentrer quand même la question. Donc, il y a bilan, donc il y a chaque président de la République. Je crois que Congo connaît quatre présidents depuis toujours l'indépendance. D'abord, président Kassavubu, Bouyebi de 60 à 65, président Mobutu de 65 à 1997, et puis Laurent Désiré Kabila Mouzé de 97 à 2001. Et Joseph Kabila, bon, trop bandé quand même dans 97, parce qu'il y a déjà 97 à 2001, et puis de 2001 jusqu'à aujourd'hui, parce que le bilan est quand même un peu assez compliqué par rapport à Ognus, ma président qui est. Alors, d'abord, là, Joseph Kassa, vous pouvez savoir le bilan moi, rapidement, comme ça, on peut comprendre ce qu'il y a de l'air, il y a de Joseph Kassa, vous, de 60 à 65, et là, nous, là, par rapport à la présidence. Là. Na Joseph Kassa, vous, n'a pas de mabé, tout le monde. Comme Yolingi. Namabe, je lui reproche une chose. Nakufa ya Lumumba, Okito, na Maurice Mpolo, il pouvait de son influence parce que Kassavubu était respecté. Il pouvait peser de tout son poids pour na ba soulager ba papa na biso wana misato. Ne serait-ce que soko kokanga bango ba kanga bango to nini, mais il y avait même pas de raison ya kokanga pe Lumumba entre nous. Donc bonga qui va destituer mais yé Kassavubu le qu'on a reproché à kaye. À cela qui mensonge qu'on a quitté pour na bas tika bango na bomoi parce que ce n'est pas bon d'arracher les vies humaines comme ça et surtout que Lumumba tant bah Koufi Lumumba n'avait même pas plus de 35 ans on peut lui reprocher beaucoup de choses il y en a bande qu'on a mususu mais c'était na kansi moi défaillance ma casse côté à président à cela qui pensa n'engue Lumumba peut-être vont venger aussi parce que conflit bah là on a Kassavubu Lumumba c'est peut-être à ce moment là il a réglé par contre là aussi quelque part te nazo ça l'a fait beaucoup moko ya histoire ya Congo il y a eu beaucoup de falsifications Kassavubu na Lumumba bazaga lokola Saint-Pierre et Saint-Paul na table ronde. C'est Kassavubu qui a dit, tant que Patrice n'est pas là, on ne fait pas cette table ronde. Donc, Bazayaki, Baninga, Bandeli, mais après, confier. C'était des frères, mais puis après, ambition à Moutou. Et Lumumba aussi n'avait pas un caractère facile.
Bon, il était majoritaire, Kassavubu était respecté comme président de la République. Bon, mais c'est vrai qu'il y avait un peu aussi du côté de Lumumba une façon de voir des choses. Mobutu lui reprochera aussi un certain nombre de choses. Il pouvait rentrer dans un camp militaire et puis dire que tel devenait colonel et puis Azo changer pété, mais alors qu'il y avait un commandant quand même en chef qui pouvait. Comment dictature quand même Zalaï d'ailleurs. Ça c'était. Bon moi je mets ça sur sa jeunesse. Il est Bangonis Bagina à moins de 35 ans d'ailleurs. Et donc je pense que bon, c'était aussi son tempérament. On a eu Lumumba, puisque le temps où il y a bandit politique, Nazaraki Moké, mais Nazaraki est fort, à partir de Papa Nanga, Nazaraki conseiller communal dans Saint-Jean, Lingwala. J'aimais la politique parce que bon, ça se faisait aussi. Renom Moussou, à Bakou, pas Inabiso. Donc Nazaraki toujours au tiers du temps au Bakoulou, tu vas au solo là. C'est comme ça que j'ai aimé Lumumba comme héros. C'était mon premier héros. Et puis après, Nazaraki héros Moussou, c'est la substitution. Yo Tangaki, Nébané l'émission. Papa José Mobutu, Wanande Azaki héros dans la substitution, mais Ngaï héros dans la Boumouana, c'était Lumumba, Malula, Cardinal, et puis Mobutu par après. Bon, voilà. Donc ça, c'est le côté négatif, c'est le côté positif. Le côté positif, il y a Kassavubu, je pense que tout ça, la rapétude, Mogo, il y a Nakotiango à la portée de tous les Congolais. Tout cela est sur le quatre présidents. Tout le monde a d'ailleurs rejoint les préoccupations de Bissot. Nabaya Bango Mine, globalement, le bilan de Bango, incontestablement, Baninga, Balobagite, c'est pas que Nakati a asséré tout ça, Bicolo presque Nyon Soya Congo. Les quatre grandes ethnies, Bangala, Bali, Luba, Bakongo, Baswahili. Et donc, Bango Nyon Soumine Balobi, Kassavubu fut, et de loin, 70%, le meilleur président du Congo. Pourquoi? Parce que intègre à Ibagité. Tant que Kassavubu a longué n'a qu'on est à bout, mais c'est pour un président de la République, au n'est qu'on mon ami Kolo, mais à ça, ton gars, 300, sinon 500 maisons. Kassavubu n'a qu'on est si l'agité. Il est positif en moi. Donc, il a été intègre. Il a été le premier président qui a essayé d'asseoir les institutions parlementaires. Tant que Kassavubu, démocratie, il y a solo, il y a na Congo. Et puis après le coup d'État, il n'y a plus eu de démocratie à Ningwana. La démocratie parlementaire, c'est-à-dire dans le Parlement, les députés, les sénateurs congolais peuvent attester au Bazana Nabumoyi, au Bayagi na 60-65, les débats étaient libres, démocratiques. Tout le monde a dit que ça, l'intervention, l'interpellation, Natango ya Kassavubu, bon Bayagi Lando, Nandaku na Simana Mindouki, et Salamakte. Et donc, je pense que sur le plan aussi, il y a gestion, il a géré le pays en bon père de famille. Il allait en mission à l'étranger, tant en Ozonga, ndele gouverneur à la banque, talama koki à Congo Yango, mais Mboutamoutou c'est pour toi, c'est Bimi Albi, ndele Zongisa Albert, Zongisa Mbongo, Zambongo ya Congo, Zambongo na Ngaïté. Bon, Batebele Balbagike, Yuma, Mokongo Zoba, Nini, mais je pense que Lelo, il n'y a pas photo. Donc à côté Wana, donc Mboutamoutou Kassavubu, premier président de la République, premier avec 70% na étude il y a asséré. Ça c'est bien dit. Alors tu vois le président Mobutu, donc de 65 à 97. Mais tu vois quand même moins 60 aussi parce que ça a déjà coup d'état déjà, bah, ça est déjà très puissant à l'époque. Bon, Mobutu, oui. C'est une histoire de coup d'état permanent quand même dans le Congo. Bon, depuis 60, avant 60, moi j'ai dit le vrai job de Mobutu, il n'a pas été journaliste. Mobutu a peu écrit, moins de 50 articles. Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, c'est moins de 50 articles, il a peu écrit. Bon, il est signé José de Banzi, tout et tout. Il a peu écrit. Et puis, en réalité, Mobutu, là, qui, après service militaire, a recruté parce que Zaki Garçon Mourobayele. En 55, il te parlait déjà correctement la langue française. Très intelligent, très éveillé. Mobutu a déjà OR. OR armée, c'est-à-dire officier de renseignement. Ça, c'est le vrai job de Mobutu. Donc, tant que je suis journaliste, avant 60, comme Kossala Bétil, sciences sociales, à l'université. Il n'a pas fait ça. Tout ça, sérieux, falsification à l'histoire du Congo. Moi, je vais écrire l'histoire de l'histoire du Congo. Donc, même l'histoire des histoires du Congo. Parce qu'il est grand temps, Mboula Pézbani, au Poussana, tout est comme moi, Bilembo. Papa, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, Mobutu a été officier de renseignement. Et puis, recruté déjà depuis 62 na CIA. Donc, camarade, na yewana, bo na yewana, George W. Bush, père. Bonde kona bango bana ne bazaki kuno lala na villa
personnel, il y a Bush, il y a Nasseya. Je vais tout faire, numéro matricule, je vais tout faire, dans le numéro mécano, il y a Seya, dans le livre, dans le début de l'année, sur Nzamba Batelingaï. Donc, il y a déjà agent Seya, et puis après, comme il était ici, agent, il y a sûreté belge. Il fait le comité d'accueil, il y a des gens qui battent. Tant que tu as une table ronde, il y a déjà des gens. Malgré la réserve, il y a Kamitatu, malgré la réserve, il y a Kasavubu, Lumumba est allé dans le bras de l'autre. Or, Moutubasiblaki, c'était Lumumba, parce que c'était le plus dangereux. D'où, tant que tu as eu le panda, tu as eu le Moutaliboso, tu as eu le Mobutu était déjà l'homme fort dans la Première République. Pourquoi? Parce que tant que le 5 septembre, tant que l'obité, ici le haut commandement militaire, ici le colonel Mobutu, je neutralise le président de la République Kasavubu et le premier ministre Lumumba. C'est un coup d'État. Donc, Kasavubu était déjà sous surveillance et Mobutu était déjà vice-président du Congo parce que le collège de commissaires généraux, donc ministre, sous le gouvernement, il y a Papa Ileyo, Joseph, paix à son âme, Bumboko, Lito, Nini, c'était Mobutu qui avait fait, je vais dire, le trois quarts. Tu es dans l'homme où l'aïté, parce que tu as parlé sur Mobutu, côté à Bilan. Bilan. C'est intéressant ce que tu dis, mais bon, on peut faire toute une émission sur l'homme de l'aigle de Kawele, mais il y a beaucoup à dire. Mais bon, longévité Naïpé, c'est le président qui a le plus duré dans le temps, 32 années. Et donc, il a incarné ce qu'il a incarné. Moi, je pense que sur le plan positif, il y a Mobutu, je retiens deux choses, l'unité nationale ou l'unification. À pas de charge, il a fait ça en militaire. Et Simbaki, Mboka Wana Nyon Solbi, 2 345 554 km², il a fait pacification, il a fait. Mais moi, j'ai une question, et qui coûte question à quel prix, sur le plan, il y a coût humain. Ben comme ça dans l'émission, je vais dire par exemple qu'il y a eu beaucoup de crimes, c'était pas bon. Quelle que soit la motivation, c'est pas parce que toi tu penses le contraire de ce que moi je pense. Je parle de Bamba que moi j'ai connu. C'était le parrain, il y a papa un mentor dans les politiques dans Bako. Local. Donc j'ai été choqué comme enfant. C'était la première fois de voir mon père pleurer parce que les quatre conjurés de la Pentecôte, c'était Mobutu. Qui pouvait. Ah, c'est la clémence. En tant que père de la nation. Mais il y avait donc ce côté-là. Unification à Mboka, ok. Pacification à Mboka, ok. Mais l'autre chose, c'est. Le chaos économique, Mobutu. Le côté négatif. Ouais, le côté négatif en tout cas, article le biso héritage à Malam, le côté social, le côté économique, alors que nous avons avant l'émission, avec l'envergure que Mobutu avait, il pouvait faire plus. Malheureusement, il a fait moins. Et donc, le classement à CRP, Kasavubu 70%, Mobutu 56%. Voilà, la troupe de la troisième président, Laurent Désiré Kabila, bilan n'est pas ce qu'il a oublié péter, donc de 97 à 2001. Laurent Mouzé Kabila, c'est un beau gâchis. Hein. C'est triste parce que c'est un président qui s'est installé au pouvoir dans le malentendu. Il a compris ce qu'il était. Je vais m'expliquer. Toyambaka Yao, dans l'ambassade, il y a mon grand frère, ministre et conseiller, Moutazaki, chargé de le faire à l'époque. Il nous a tenu un discours qui m'avait surpris. Bayambi Yondegini Namboko, tiède. Sans diplomatie, paix à son âme. Je n'aime pas trop charger les morts, mais il faut tout le belangoza makamboka. Bayambinga tiède. Bolingai bayambondegeni. Donc il y avait après Mobutu, Mobutu Mutunyo Salembaï, Mobutu que papa Marshall pas Kenenaye, kaka Kenenaye. Donc tant qu'il y a eu Toyambaki à bras ouverts, mais incompréhension. Il y a eu la logique naye. Il est resté le rebelle que nous avons lu dans nos manuels il y a 60. Matongé, il appelait Matongé par exemple Rankin. Or, Makamone s'est changé. Donc, malentendu, je parle de papa Étienne Tshisekedi. Pourquoi ne pas écouter l'autre? Le gros problème que j'avais à voir Laurent Mouzé Kabila, il n'écoutait personne.
Ah yamba même tu sais que dit oh vos blagues avec Mobutu c'est pas avec moi mais ça lika mboka ça dit lika mboka blague hier moi tu sais que de représenter ce qui représentait mais yoka yé même si tu n'es pas d'accord yoka yé nan idée na yé après tu diras que bon moi je suis pas d'accord ou pas donc incompréhension nani na bato ya kina bango moi je ne le charge pas mais principal accusateur n'ezagipe yé moko sous mouyi Étienne Tshisekedi wa Mulumbu alors le gros problème de Laurent c'est ses amis avec qui il est venu avec. Banjo ba yakine yope papa limo zotu na kesso yebi bato ya yakina ba. Bon, ba Rwanda ba Uganda. Bangondo ba yakina ye. Bon, bangonde mutu ba yakie. Donc yaza la qui accompagne. Donc c'est pas lui qui a arraché le pouvoir à Mobutu, ba pesi yango ko pesa na plateau, mais tant bazo pesa ki bokondi na plateau. Ba to na pe bazana na calcul na barrière pensée na bango. Et d'ailleurs un jour dans c'est un journal, je pense le soir, Kagame, Paul Kagame, président de Rwanda, s'était fendu d'un communiqué. Qui t'a fait roi, toi, Laurent Désiré Kabila? Donc, il y a un roi ya Congo. Donc, en réalité, donc, le roi du Congo, donc, c'était le général-major Paul Kagame. Donc, Kibokonzi, Azouaki, on ne sait pas lui qui a arraché le pouvoir. C'est le côté négatif, là, on parle de ce côté négatif. Ça, c'est le positif, le négatif ou le positif. Bon, positif. J'ai été à Kinshasa après Koufanaye. Dans mon affiche, mon ami Nene Barbi, le président Kabila, Mouzé, Laurent, l'homme qui nous fallait. Bon, yo yebi français, Mingi. Donc, l'homme qui nous fallait, Zali, moi, regret. A koka ki koza moto est bon donc za ba regret ya ba temps ba nini donc je pense que je préfère me taire na yebité moi tout rappel en profondeur parce que tu aussi c'est émission tu sur la autour de sous ba question mike toi que mais tout comme quand même la 4e président donc au controversé avec Joseph Kabila avant Joseph Kabila quand même le franc congolais était tenu par Kabila père. Bon, côté Wana, je pense qu'ils ont moins aspect positif. Le franc congolais était bien tenu. Et puis, bon, assassinat naïe, benganga na émission Moussouzou, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur ça. Alors, quoi, là, au niveau de la Bino, vous pensez combien de pourcentage Kabila, moins de 50%, il a tourné autour de 46%. Je vais vérifier hein, de mémoire. 46%. Voilà. Et maintenant, Joseph Kabila. Autres années les loyaux toujours battre net au Kabouanaie afin d'aller un peu au Kenyatta bilan les Rolobani avant bilan je pense que moi j'ai plein de défauts yango ils ont ça la Kenya nous prenons la Kotambo les prenons les Kolomai malamouté parce que j'ai aussi des faiblesses humaines des péchés comme on dit mais na boya na fin d'année le Kouta moi, mon père était rien, petit fonctionnaire de l'État, mais je suis fier. Sur ma zone, la ramokili, la rosenga kaka na nzambe, na bota makaka na tata wana na mama wana. Donc, parce qu'ils m'ont appris à rester debout, mon père, chaque 6h du matin, me disait, lève-toi et marche. Et donc, na linga lo kutate. Depuis le régime Ekumi, il y a un régime là-bas, il y a 5C. Régime naïe, Joseph Kabila. Je ne vais pas mâcher les mots, j'ai un âge où il faut dire la vérité. Hein. Donc, il y a une échéance, il y a vie naïe, je dis la vérité. Ça sera aussi dans les livres. Le faux. Le Congo est devenu la RDC, la République démocratique du Congo, il y a le bon, il y a l'Imia. Mais RDC, Ali, République démocratique, pas République démocratique, mais République à démocratiser. Donc, République de la concussion. Koyiba. Et comme il y a un jeu d'État, il y a une concussion, il y a un déni public, souka. Quand il y a un déni, il y a un déni, il y a un déni, l'élection était papa. Ça ne grandit pas. Deux, il y a le régime de la RDC comme régime de la corruption. Souka. Les billets de banque, je connais des gens qui sont députés. Il y a des questions qui sont venues. Il y a 5 000 dans le bureau. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a essence. Il y a des jeep, il y a des essence. Il y a des outils WAPI. Il y a des WAPI. Il y a des budgétisés WAPI. Donc, régime où il y a corruption. Régime aussi RDC, régime de la des concessions. RDC, régime des concessions. Entre amis. Ngana lima toyo kana malamu babane on kala babilo na banga Afrique du Sud ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi hein toyo kani il y a une majorité présidentielle binobozala na majorité moko de l'opposition mais mutu moko
Mais ça, on va en opposition parce que bon, tout ça, là, moi, bah, non, non, la deux minutes, pas tout, tout ça, la deux minutes. Donc, régime, il y a un bilan, il y a 5 CT, mais ce n'est pas grave. Oui. Et puis, régime, il y a concordat. Donc, il y a un concordat, compris, il y a un concordat. Donc, et puis, donc, bilan, il y a 29%, l'échec de la classe avec blâme, il y a Baninga, il y a Seremenga. Avec blâme. Bon, j'ai essayé un peu de, en tant que président, que Bagisaye Moani Barbité, c'est 29% avec blâme du jury. Ya Siri. Alors, tout ceci côté bilan, il y a le président de la République. Donc, il y a 4 présidents de l'Obanine, Joseph Kasavu, on est tout amené en fait. Il porte la palme d'or à Bomate, pratiquement quand on a reproché qui est dans le Bagiango, Liwa et Koufa et Babisatouana, à Bomate Kasavubu, il a géré un bon père de famille en matière de droits de l'homme, Tata Batou, Longonia. Il n'a pas trempé dans beaucoup de choses. Et puis, économiquement, il y a une stable monnaie congolaise. Il y a une devise franc congolais. Il y a une banque, une lingot d'or donc comme réserve. Donc, chapeau sur tout le plan. Ce n'est pas parce qu'il est du bas Congo. Moi, je suis au-delà de... Au-delà, il y a ma tribu, parce que j'ai aimé Lumumba. Il n'est pas du bas Congo. Il est de du Sankourou, voilà quoi. Donc, Kasavubu premier, deuxième Mobutu Sese Seko, pour le bien qu'il a fait en termes d'unification, la pacification en Mboka. Tatabo, Monko, c'était bien, mais Mobutu aussi a failli dans beaucoup de choses économiques, sociales et surtout la brutalité. Malheureusement, Mobutu était très brutal, impulsif. Bilo Moussou Kouaï, qui gérant autrement, mais il était très impulsif. Laurent Désiré Kabila, troisième, je botte en touche, parce qu'il y a beaucoup à dire, l'objet même d'une émission. Ouais. Il a eu 46%, moi je n'ai même pas donné un avis, parce que je ne sais pas, j'ai bien compréhension. Voilà, et puis l'échec Ezali, Joseph Kabila, dont le mandat est déjà terminé, mais il faut continuer, kaka, et comme la République de la Canaille, la Bosnie c'est la République de la Canaille, c'est Bongo, donc le Congo est devenu un empire, il y a ma papa n'a pas tiki la Bango, mais biso ma papa n'a pas un héros, biso ma papa m'a un héros anonyme, ma bunda n'est pas un Congo, donc blague, on va maintenant commencer à parler. Effectivement, c'est le temps donc de parler. Ils allaient bilan donc indépendance c'est en Burkina Faso, mais tout le monde a une élection en Burkina Faso. Avant peut-être aussi sa émission, mais élection ils allaient prévue à la fin de l'année. Oyo, il y a 2018, CENI est publié calendrier, mais bon, toujours monde va manœuvre, tout ça, les salémat, tout ça, machine à voter, mangambe belé. Donc nous sommes à quoi mener la élection. Pour la l'étude nous allons pour la mangambe élection en Burkina Faso. Mais ils allaient monter monko honoré Rwanda. Alors toujours, comment voulez-vous faire des élections dans un pays occupé? Mais il ramasse bien les idées, il y a milieu ambiant congolais. Pays à occuper, Kabila qui ne veut pas partir, ou bien qui part, albique, et maintenant son dauphin paraît, c'est Matata Ponyo. Donc déjà Matata a déjà gagné les élections, dont le président est Corneille Nanga, un type bizarre dans des élections bizarres. Et puis tout ça sous travail Mogona Seni, on va présenter chaque candidat au Yozoloba. On a une dizaine, moto na moto. Par exemple, Adolphe Mouzito, mais c'est 300 maisons. Sokaza Benza candidat Zapé Congolais à Lingiba Congolais. 300 maisons, on a Atikalaga en 5, 295 à comme ça on va logements sociaux. Je le mets. Maison, on les a vérifiés aussi, c'est autre. Et ça, il y a solo. Cadastre, les bas fonctionnaires, on a cadastre, bas on a songi, hein. Bas pense à la bise, donc il a 300 maisons, 295 à comme ça, on a logements sociaux. Là, je dirais à ma famille de voter pour Moussito. Soit à comme ça, on a logements sociaux, mais je doute. Par rapport à l'élection, il y a aux hommes en dernier, est-ce que vous allez organiser ou pas? J'ai botte en touche, moi je suis au balcon, donc ça ne m'intéresse pas dans un truc, un climat là, il y a confusion. Donc, allons, mais tu as candidat au Yalingito, mais c'est quoi ça comme histoire? Congo, il y a 80 millions de Congolais. Hein? Ce n'est pas que Ngala Lingika qui est là, c'est comme un empire. Attaque au royaume, tout le monde a empire. Et ça, c'est hors de moi, successeur. Oh, les nés, la famille, tout le monde a été là. Mais ça, comme l'avait dit son frère, comment il s'appelle encore? De Kabila Joseph, son frère Zoé. On ne va pas donner le pouvoir à n'importe qui. Oh, un peu de modestie. Au moins, qui sait avant 70, hein? Mon Congo, si on a crié haut et fort au Congo, ce n'était pas comme ça. On parlait à voix basse et poliment. Effectivement, alors, pour la belle élection, pour la yo, je crois que vous croyez en la belle élection, mais si vous
schéma ni nango oyo tori peut-être Colanda parce que situation quand même dans la mboka ils allaient se sont assez chaotique hein. Quel est le schéma oyo pour nayo mon les allaient vraiment il y a malam pas tout qui n'est tout bima la situation dans la ngolo lelo schéma moko ezakaka pour na makila sous cet angate c'est le schéma il y a transition sans Joseph Kabila Kana. Comment trouve ça l'ango? Mais il y a moyen, mais ça n'a qu'un arrangement politique. Mais qu'on s'arrange entre toutes les forces politiques, toutes les forces sociales, toutes les forces économiques et culturelles, tout solo là. Mais pour répondre à un document comme ça, ça va prendre combien de temps? Tala Moussa Salamaga à la conférence nationale. Du bon boulot, hein? Malgré tout cela qui va application. Donc il y a moyen en une semaine de faire du bon boulot. Entre ma force wana do vanye sika moko to réfléchir que ta la transition ozala il y a 2 ans to 3 ans matériellement pona ko se préparer et puis une personnalité au-dessus du lot pona irréprochable même pona ko gérer ko kamba transition la piloter en ngoning balubaka ti to ken élection moko apaisé mais siko na ning ya kanai na république de la kanai o élection mais to yibi déjà mo to gagner. Et ce n'est pas bien. Bon peuple, qui a un mot à dire comme peuple souverain. Les Congolais sont mingi. Il est temps, fini la récréation, je pense, il est temps que les Congolais prennent la destinée en main et que les Congolais soient les Congolais. Parce que les Congolais sont les peuple et puis les textes. Effectivement, ça a été vraiment un plaisir de partager le moment avec Michel Luzolo, mais tout le monde encore. Je crois que Magamba Koloba, ils allaient bel et bien, mais les allaient vraiment le temps où ils allaient dans Oyo. Ça fait vraiment un peu de moyens pour aborder Nyoso, ils allaient la 4e émission de la mission. Mais peut-être qu'on a aussi dit ça. C'est vrai que nous avons dressé bilan, nous avons dressé un tout petit peu dans le tableau assez sombre. Il y a l'histoire politique en Bourganabiso, indépendance jusqu'à maintenant. Pour nous avenir nos hommes, avenir en Bourganabiso, nos hommes, on est né. Est-ce que. Est-ce que tu penses que tout le monde est allé à Kafou-Kafou. Moi, ce que je vois les choses, à titre personnel, hein, modestement, je suis un candidat, mais je pense que mon niveau. Il y a 20 candidats, toi, apparemment, tu penses aussi à la candidat. Na Congo, non, non, non. Mais si le pays, la 4e République, m'appelait pour aider tant soit peu, non, je suis disponible. Si la Belgique aussi, qui est mon pays de raison, je ne sais pas si je suis belge, je ne sais pas si je suis belge, je suis là pour servir. Je suis là d'abord, vous avez l'ambition personnellement. Dans les conditions là, non, 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 même, non, non, je ne suis pas intéressé. On attend au comme la période de la transition sans Kabila, donc on a l'ambition. Mais Moutounio, il ne faut pas faire comme papa Victor Nindaka. Oh, même pour 48 heures, je serai le président de ce pays. Au gros, à la paix directeur, il y a ferme, Moro Boubanine, aux Akouévre. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du Congo. Mboulonga na kominango na si na sali 2 tours ya mbo ya mokili na tikali na tour moko ya mokili nzamba batela ngai na koma na 100 ans na kufa na 100 ans po baloba na epitaphe na ngai ke il fut et il est passé sur terre talaba acte sali moi mike pona Congo je vais être clair tango epusani je vais léguer un Congo na baninga nga moko na kokate na baninga nyonso bandeko na bolingo na union na fraternité. Toyokana na consensus to tonga Congo ya lobby oyo kozala lobby 2019 ti 2060 et kozala ndenge nini. Je vais dessiner ce Congo là ko dessiner dans le sens qu'il faut kozala na projet de société. Le projet 5 chantiers ce n'est même pas un projet. 5 chantiers projet ba tout ba ba projet aussi moi comme muta banda makam ya ba chantier na ba politique congolais c'est moi modestement na 2000 ba archives ya parti socialiste ali j'avais parlé des 10 chantiers na jette. Oh, pour le Congo qui est immensement plus grand, combien de fois Najet n'a habité? Donc il ne faut pas 5 chantiers, il faut 50, sinon 100 chantiers. Donc nous travaillons là-dessus sur un projet de société. Nous travaillons aussi pour un programme de grands travaux d'utilité publique parce que quand on est allé chantier, il faut aller un peu plus vite pour le bonheur du peuple congolais. Par rapport à l'avenir, on a besoin de
Est-ce que tu penses que trop bimala trop dans la langue? Ouais, nga na linga Jérémia de ba Jérémia de te ko lela lela. Non. Moi je suis quelqu'un de positif et soko espoir de bani ko diminuer na ba congolais na bi to za ta espérance. Donc je pense que potentiel to za na ngona Congo ndenge to ali biso ba congolais le génie là créatif créateur ya ba congolais na ndenge nzamba bongisila biso mabele na biso. Quand il pleut au nord, il pleut pas au sud. Quand il pleut au sud, il pleut pas au nord. Donc ndunda soko bwa ki mbuma libeso ya l'idée c'est que bota donc ko fanzala te normalement to peut ko laisser Afrique comme grenier agricole. J'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance pour la Congo tokolonga. Tokolonga espoir ezali Congo mboka na biso ba congolais mutunya muto apporter pierre na. Merci en tout cas Michel Lozolo pour la participation na. Je crois que ba idée na ezali quand même assez kitoko makasi indépendance mboka na biso 58e anniversaire indépendance mboka na biso. Hein bon voilà donc to l'embatte je crois que to continuer même à année dozo kubunda ba congolais ba kubunda libanda et fait quand même ma conscience ezali. Je crois que dans les années passées to ba que to imina ba masanga la ba loyenge mais tout le monde ba congolais ba même ko réfléchir beaucoup plus pour la mboka na biso. Je crois que to poursuivre kaka yango. Je crois que tout comme au bout du tunnel, hein, c'est un peu ça. Conclusion de la gangola, tout comme dans son invité sur le Bongolingo, ça apporte aussi vraiment une émission d'abus. Nazana mingi susa kolobate menalbi tokolonga, ndenge papa na biso aduele ngalobaki, atandele tokolonga. Merci Michel Lozolo, merci Nabade Oulani Bisso partout à travers le monde. Merci vraiment na fidélité. Émission d'abus, nos derniers virages. À très bientôt dans le prochain numéro. Boutique a toujours bon.